9.9 oppitunti. Ikävä ilta. Ilta. Missä Sinika on? En tiedä. Hän ei ole tän tuossa. Ilta. Missä Sinika on? En tiedä. Hän ei ole tän tuossa. Hän on lomalla. Bonsoir. Où est Sinika? Je ne sais pas. En tiedä. Tiedä. Elle ne travaille pas aujourd'hui. Elle est en congé. Mika vaihinko. Quel dommage. Puolikossa on hyvä orkesteri. À la demi-lune, il y a un bon orchestre. Niin on, mutta valitettavasti olen ilman bassunut. Oui, c'est vrai, mais malheureusement, je suis trop fatiguée. Voi. Ah, là, hélas. Sinika on lomalla, ja Inari ei jaksa tanssia. Sinika est en congé, et Inari n'est pas en état de danser. No, ei voi mitään. On y pour rien. On perjantai ilta ja minä katson televisioita Nallen kanssa. On est vendredi soir et moi je regarderai la télévision avec les nounours. Hyvää yötä. Bonne nuit. Käännös. Traduction. Missä Sinika sua aamulla? Y Sinika mangeait-elle les matins? En tiedä. Je ne sais pas. Ravintolan orkestri. Orkesteri on lomalla. L'orchestre du restaurant est en congé. Se on hyvä ulkomaalainen. Orchestre. C'est un bon orchestre étranger. Se ei ole ravintolassa tänään. Il est pas au restaurant aujourd'hui. Dans ces raisons, vous étiez davantage familiarisé avec la négation au singulier. Nous pourrons donc attaquer le pluriel qui, d'ailleurs, n'est-ce pas plus compliqué dès la prochaine leçon. L'absence de Sinika et la fatigue de son ami. La fatigue de son ami ne nous ont pas permis
d'aller danser. En échange, nous avons pu et nous exercer à la négation. Mais rassurez-vous, malgré cette déception, sachez qu'en Finlande, on danse partout, dans les restaurants, dans toutes sortes de têtes, et sur les pistes de, en plein air en été, et même chez les champs, qu'il y a quelques personnes qui se réunissent. Comme nous ne parlons pas beaucoup, c'est notre moyen de communiquer. La danse la plus populaire est le tango finlandais. Les modes viennent et c'est un bon, mais le tango reste. Cumines oppitunti. Dixième leçon. Sata, il pleut. Il pleut. Tänään kaumitorilla. Ja ostamme kala. Aujourd'hui, nous irons au marché et nous achèterons du poisson. Alka sata rankasti. Il commence à pleuvoir violemment. Nonin, nous teemme voi mennä ulos ja te ette saa illalla kala. Ça y est. Maintenant, nous ne pouvons pas sortir à l'heure dehors. Et vu n'aurait pas des poissons et ce soir. Kisaya koira nukuvat. Les chats et les chiens dormant. Ne eivät tiedä, että ei ole kala. Ils ne savent pas. Et qu'il n'y aura pas de poissons. Sata. Il pleut. Exprimé en finnois par le verbe seul à la troisième personne, ce n'est pas niel. Qui pleut en finnois. C'est ainsi pour tous les verbes indiquant les conditions naturelles, par exemple, tout l'air. Il fait du vent. Kaume. Lève kauda. À l'air passé, s'emploie lorsqu'on se rend dans un lieu pour peu de temps avec l'intention d'en revenir, magasin, restaurant, théâtre, douche, etc. Et ce verbe se construit avec un complément l'inessif qui précise, rappelons-le, le lieu dans lequel se passe l'action. Comme si elle n'y avait pas de déplacement. Envoy. Nous ne pouvons pas. Aime. Et la première personne du pluriel du verbe de négation, boy. Et la forme qui suit la négation à toutes les personnes du verbe boid. Pouvoir, boin. Je peux. Était ça. Vu n'y avait pas été. Et la deuxième personne du pluriel du verbe de négation, ça.
Et la forme qui suit la négation à toutes les personnes du verbe saada. Avoir, recevoir. Canos. Traduction. Coiran cansa puistosa. J'ai passé avec les chiens dans les parcs. Ostametan kaifia ya sokeria. Nous achetons aujourd'hui du café et du sucre. Lapsi rakasta kisa. L'enfant aime les chats. Kuonis yakaunis. La lune est grande et belle. Enota isoa matkalauka. Je ne prends pas la grande balise.